de mon sujet. Les SCPI, c'est le produit du moment. On a fait une année record l'année dernière sur les marchés. On a collecté plus de 8 milliards d'euros sur les SCPI. L'avantage des SCPI, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Que vous ayez une petite capacité d'emprunt, que vous ayez un peu de cash à placer ou une grande capacité d'emprunt, ça permet de bénéficier de l'effet de levier du crédit, puisqu'on peut les financer par crédit, et de se constituer un patrimoine à différents budgets. C'est-à-dire que vous ayez aujourd'hui, quand vous achetez un appartement que vous souhaitez louer, l'appartement vaut 200 000 euros, vous ne pouvez pas acheter 8/13e du bien. Les SCPI, c'est des parts. Donc à partir d'une part, c'est entre 200 et 1 000 euros la part, vous pouvez avoir accès à l'immobilier de bureaux et de commerce. Donc ça vous permet, alors il y a pas mal d'avantages aussi avec les SCPI, puisque mis à part le montant et que ça s'adresse à tout le monde, ça vous permet de vous préparer à la retraite, de vous constituer un capital, mais surtout, ça vous permet d'avoir des rendements sans vous occuper de la gestion locative. Parce qu'aujourd'hui, dans les SCPI, l'avantage, c'est que vous n'avez aucune contrainte de gestion, contrairement à un bien physique. Vous pouvez avoir des problèmes liés à la gestion, liés aux locataires. Là, vos locataires sont des grandes sociétés du CAC 40, donc qui payent tous les mois leur loyer. Et vous n'avez pas de taxes foncières, de charges de copropriété. Tous les trimestres, c'est payé trimestriellement sur votre compte bancaire. C'est imposé comme sur des loyers, sur des revenus locatifs lambda. Et l'avantage, c'est que vous avez quand même, l'année dernière, les rendements ont atteint entre 4,5 jusqu'à 5,5 pour les plus performantes. Les différents types de profils aujourd'hui, ça s'adresse vraiment à tout le monde, j'insiste, pour les personnes qui ont des petites capacités d'emprunt, qui veulent avoir accès à l'immobilier, ça leur permet aujourd'hui, en levant de la dette, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de bénéficier de l'effet de levier de la dette. Vous allez emprunter à 1,5% en fonction de la durée du financement, et vous allez avoir un rendement, on va dire, avant imposition, aux alentours de 4,5%. Donc ça s'adresse, vous pouvez, à tout type de profil. Quelqu'un qui veut préparer sa retraite, quelqu'un qui est au début de sa vie active et qui veut se constituer un patrimoine sans prendre trop de risques et qui ne se connaît pas trop en immobilier, puisque l'avantage, c'est que vous possédez une partie du parc immobilier, donc un peu de tout. Vous n'avez pas ce problème de vacances locatives, de problèmes liés à la gestion. Et donc, vous pouvez commencer à moindre coût, de commencer, vous calibrer avec un expert en gestion de patrimoine combien vous souhaitez mettre d'épargne tous les mois. Et en fonction de ça, vous voyez avec votre expert patrimonial combien vous allez pouvoir vous constituer de patrimoine. Mais ça peut s'adresser, vous pouvez le faire, le mieux c'est de le faire par l'effet de levier de crédit, mais vous pouvez le faire aussi avec votre cash aujourd'hui, puisque l'épargne bancaire ne rapporte plus grand-chose. Alors après, il y a deux types de profils. Si vous le faites en cash, c'est pour les petites tranches marginales d'imposition. Et pour les grosses impositions qui ont du temps, vous pouvez faire ce qu'on appelle des SCPI par démembrement, c'est-à-dire acquérir la nue propriété. C'est la renonciation temporaire pendant un certain laps de temps des loyers qui vous permet d'avoir une décote sur le prix de la part de SCPI. Je prends un exemple, aujourd'hui vous versez 10 000 euros, vous achetez 10 000 euros de nue propriété sur de la SCPI sur 10 ans, donc pendant 10 ans il ne se passe rien. Au bout des 10 ans, vous allez avoir à peu près 14 500 euros de SCPI en pleine propriété. Vous allez avoir à partir de ce moment-là un rendement de 4,5% à peu près sur ces 14 500. L'avantage, c'est que pendant toute cette durée de renonciation des loyers, vous n'avez pas eu de fiscalité. Et mécaniquement, votre patrimoine s'est revalorisé. Bien entendu, vous pouvez revendre les SCPI. Ça, j'insiste. Après, à bien sélectionner les SCPI, regardez les types des SCPI, les sous-jacents des SCPI, puisqu'aujourd'hui, ce qui est très porteur, c'est tout ce qui est bureau et commerce, principalement Paris et Île-de-France, parce qu'aujourd'hui, le taux de vacances locatives sur les bureaux parisiens est de 2,5%. Donc, il y a une très, très forte demande dessus. Donc, c'est un secteur très porteur. Donc c'est sur ce type-là, déjà, on va aller sur ce type de SCPI. Et après, regarder les caractéristiques de la SCPI. Ça veut dire capital fixe ou capital variable. Ça, c'est très important. Le capital fixe, ça veut dire que si vous voulez revendre vos SCPI, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Sur un capital variable, sur un certain laps de temps, l'assureur vous permet de racheter, vous rachète, s'engage à racheter vos parts de SCPI. Donc ça, c'est les caractéristiques. Regardez le taux d'occupation de la SCPI. La capitalisation, aller sur des SCPI matures, disons que si vous allez sur des jeunes SCPI, vous n'avez pas d'historique. À bien regarder la composition de la SCPI, ça c'est important.
Et le sous-jacent aujourd'hui, comme je l'ai dit, bureau principalement et un peu de commerce. Et bien sûr, la qualité des actifs, ça c'est important aussi, parce qu'on peut aller sur des actifs où vous allez avoir un fort rendement, mais qui peuvent se déprécier avec le temps. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. En tout cas, c'est les points de vigilance que pour la sélection des SCPI. Alors, les avantages, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on emprunte sur des taux historiquement bas. Donc ça permet de lever de la dette, bénéficier de l'effet de levée du crédit et d'avoir un rendement beaucoup plus important que le taux auquel vous allez emprunter. L'avantage aussi, comme je l'ai dit, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Les petits épargnants comme les gens qui ont une profondeur patrimoniale importante. L'avantage, c'est que vous n'avez vraiment aucune contrainte de gestion, pas besoin de prendre un gestionnaire, pas de taxes foncières, pas de charges de copropriété. Donc ça, c'est vraiment, on vous enlève vraiment tous les problèmes liés à la gestion, on va dire, sur un bien immobilier physique. Donc ça, c'est vraiment un avantage majeur. Après, en plus, vous diluez le risque. Quand vous diluez le risque, pourquoi ? Parce que vous possédez un petit peu de tout. Donc, même s'il y avait un immeuble qui ne fonctionne pas, vous seriez très peu impacté. Contrairement à un bien physique, vous avez fait un mauvais choix, ça peut arriver, ou vous avez sélectionné un mauvais locataire, ce qui vous crée des soucis, bah, vous subissez. Là, vous allez avoir un impact qui va être minime. Donc ça, c'est vraiment l'avantage majeur. L'inconvénient, s'il y a un inconvénient, c'est que c'est un sous-jacent immobilier. Donc quand on parle immobilier, c'est quelque chose qui vous regardez sur du moyen-long terme. Donc au moins avoir 10 ans devant soi. Parce que vous avez des frais à la sortie. Lorsque vous revendez vos parts, vous avez des frais. Quand vous achetez votre bien immobilier physique, vous avez des frais de notaire. Et puis quand vous prenez un gestionnaire, avec des frais de gestion. Là, vous investissez 100, il y a bien 100 d'investis, mais à la sortie, vous allez avoir à peu près entre 10 et 12% de frais à la sortie. Donc pour absorber ces frais, le conseil, c'est de le garder au moins, de conserver vos parts au moins 10 ans. Et après, bien sûr, vous pouvez revendre une partie des parts, en conserver pour avoir des compléments de retraite. Vous faites vraiment en fonction de vos différents objectifs.